Zami famille Anouel Lakayo, nous avons une volonté finalement qui manifeste dans le conseil présidentiel pour mettre trois conseillers inculpés dans le scandale BNC en dehors. Résolution rédigée déjà, ça fait quelques semaines. Nous vérifions des sources pour vérifier documents s'il existait vraiment. Mais il y a un problème qui pose, qui fait résolution ça, pour qu'on puisse publier. Mais avant, nous rentrons dans tout détail pour nous garder qui sa résolution ça y est. On garde premièrement président Leslie Voltaire. Leslie Voltaire vient comme président. Conseillant grâce à scandale BNC. Donc depuis là que Leslie Voltaire dans tête conseillant, nous avons remarqué que conseillant est plus actif que auparavant. Les Edgar Leblanc fils était dans tête conseillant, était président conseillant. Donc nous avons été éclipsé par ancien premier ministre Gary Conille. Le Leslie Voltaire vient prendre tête conseillant, li voye Gary Conille aller à toute équipe gouvernement lien pour incapable, il écrit dans une lettre, il dit que 4 mois que ça fait là, pas aucun résultat satisfaisant. Donc après que Gary Conille est finalé, est-ce que gain résultat, est-ce que gain bagaille visible, un changement visible qui fait et de ça qui a été reproché lio, eh bien nous voyons que la situation vient vraiment grave dans le moment côté que nous perdit Solino, nous perdit Nazon, un gros massacre nous sommes enregistré dans Waf Jérémy Zami famille nous. Mais l'autre bagaille que nous remarqué donc en sous Leslie Voltaire là pendant monsieur là nous a dit que bon côté la police il y a un petit changement qui fait donc en Leslie Voltaire nous ouais et il y a l'autre bagaille qui a fait dans la police là côté que nous ouais force multinationale là avec PNH il aurait pris contrôle IGPNH dans Delma 2 il aurait pris contrôle plusieurs commissariats dans la Tibonite côté actuellement là dans petite rivière la Tibonite autrefois c'était bandits qui t'a fait population un peu. Et bien actuellement là c'est population ensemble force multinationale là avec police là qui a metté bandi dans courir bandi dans caché dans moment que n'a parlé là dans petite rivière la Tibonite donc nous voyons que gagner si ligne qui a bougé ensemble avec Leslie Voltaire. Eh bien, hier, Leslie Voltaire li était fait une visite en Ofnac à AN côté que gen bonne nouvelle qui tombé donc pour aéroport Toussaint Louverture là et aéroport là pour le réouvrir, vol commercial yo pour le reprendre donc en sous aéroport Toussaint Louverture là, je crois à partir de 11 décembre là. Donc question qu'a posé est-ce que ligne aérienne donc américaine yo pour rentrer dans logique là, n'a pas les nous considérer donc note les nous considérer note américaine là il t'a metté de yo et t'a dit que yo pour et reprend vol sur Haïti à partir de décembre 2025 donc avant yo te dit c'était en février mais yo te vinn reporter li pour décembre 2025 donc est-ce que autorité américaine yo pral examiner question hein, pour gain update pour que si vraiment donc a gagné un bon périmètre de sécurité pour que avion retourne atterri décoller dans aéroport Toussaint Louverture là donc est-ce que et compagnie aérienne tako Spirit Delta American Airlines yo même yo ka donc a gagné yon lot schedule sur Haïti bientôt zami famille nou yo donc n'a prêté update pour que nous informer donc comment que situation ça li même ni information ça a évolué au niveau de réouverture et aéroport Toussaint Louverture là. Mais président Leslie Voltaire gen yon l'autre action li doit fait qui très significatif aux amis famille nou yo. Donc c'est forcé trois conseillers présidentiels yo retiré yo nan conseil là. Il te dit avant que le même président le dit que si trois monsieur sa yo inculpé. Donc il y a forcé yo quitter conseil là, vous mettez yo à l'écart de conseil là. Donc est-ce que gagne une provision légale pour faire ça? Eh bien gagne article 2 dans décret 12 avril là qui dit que si yon nan conseil yo gagne une poursuite judiciaire, yo doit écarter yo dans le conseil présidentiel. Mais monsieur yo, nous voyons que yo campé sous présomption d'innocence, yo dit que yo pas fait un paquita, yon panago, gagne et un rapport ULCC qui produit, yon juge dans cabinet d'instruction qui a instruit dossier ça, eh bien, donc trois conseillers présidentiels yo contesté compétence en juge là et qui fait yo pas aller dans même convocation que juge là lui-même, il était fait trois conseillers présidentiels yo et amis famille nous yo. Président conseil là Leslie Voltaire qui était participé dans journée lundi 9 décembre 2024 là dans célébration journée internationale lutte contre corruption qui célébré sous thème on mette tête ensemble avec jeune pour combattre corruption et bien célébration si là t'es
fait dans et présence premier ministre actuel Alix Didier Fizeme ensemble avec quelques membres dans gouvernement chef et bureau intégré Nations Unies donc Maria Isabel Salvador était présent ambassadeur qui accrédité dans pays d'Haïti dans discours circonstance président donc conseil présidentiel Leslie Voltaire saluer GFO ULCC dans bataille la mener pour déraciner corruption dans pays d'Haïti toutefois il fait connait que corruption c'est un gros poison pour démocratie président conseil Leslie Voltaire lui dit que il prend note et puis bay en pile importance à tout lit qui fait pour bien net majorité donc bataille génio te mener pour mander cob Petro-Caribe dans même sens là il mander tout secteur dans la vie nationale l'en mettez mais ensemble pour kaba corruption dans pays. Donc ça c'est déclaration que Leslie Voltaire lui-même li fait dans journée de corruption, journée internationale de corruption, 9 décembre qui sont passé là. Kounya ki action que Leslie Voltaire lui-même pral poser côté que Leslie Voltaire gagne 3 conseillers présidentiels qui accusés de corruption dans entité que lié qui c'est Conseil présidentiel transition qui t'a gagné 3 gros sentiers aussi rétablir sécurité dans pays hein donc à faire élection et puis faire référendum donc youn chapitre c'est couper fâché avec la corruption bien nous venons gagner 3 conseillers présidentiels qui impliqués dans gros scandale de 100 millions de gourdes dans BNC zanmi fami Anouel Akayio donc qui ça que et président conseil lui-même il t'a supposé faire dans moment pendant que la parler de bataille contre la corruption donc pour que conseil ta rejoint en crédibilité li encore mais qui ça exactement ta supposé faire zanmi fami nou yo ah bien effectivement gagne une résolution qui prend pour mettre 3 conseillers yo à l'écart mettez au dehors donc nan conseil là mais gagne 2 conseillers qui d'accord pour mettre signature en bas résolution ça gagne l'autre conseiller yo qui poko d'accord connaît que majorité en dans conseil là donc c'est 5 sur 2 donc en fort gagne 7 monde qui participer dans résolution ça pour valider li mais est-ce que résolution après été bloqué zanmi fami nou yo eh bien selon information yo gagne 2 solutions même qui vini sur table pour que yo ta vini avec résolution pour écarter monsieur yo dans conseil présidentiel. Donc premièrement, soit 4 monsieur qui pas impliqué dans dossier BNC yo même yo formé yon yo formé une majorité de 3 sur 1 pour que yo sorti une résolution et puis pour mettre 3 monsieur yo de côté, soit que résolution que yo présenté yon, que nèg sa yo qui inculpé yo que yo d'accord si yon résolution ça. Premièrement, on regarde qui ça qui proposé 3 monsieur yo dans résolution. Donc est-ce que gagnon divorce en partiel ou bien gagnon divorce complet? Eh bien ça soucio rapporté résolution ça qui t'a mandé nèg yo pour mettre yo de côté pendant il y a toujours kembe avantage yo kounya an gade ki restriction y a imposé monsieur yo trois conseillers yo bien comme restriction yo pa ka partager idée dans conseil présidentiel donc en position nèg yo pa ka participer dans conseil des ministres yo pa ka nommer directeur général donc même yon moun yo pa ka proposer pour mettre comme ministre zanmi fami nou yo donc à monsieur yo et si on mettait yo de côté mais qui avantage que résolution a bail monsieur yo et même quelques avantages que monsieur yo même a kembe si yo signe résolution ça que yo mettait yo de côté mais selon information yo tout avantage nèg yo te joine au niveau de salaire de frais nèg ça joine est-ce que te connais amis famille yo que conseil présidentiel là chaque mois avec 9 conseillers présidentiels yo li coûter trésor public 26 millions de goud m'a bon détail comment que 26 millions de goud ça li même li détaillé monsieur yo recevoir un salaire de 220 000 goud par mois ça c'est salaire que yo joine que président conseiller présidentiel. Deuxièmement, yo joine yon jeune tiers nan comme ça qui c'est 73333 goud 33 centimes que yo versé comme frais de fonctionnement monsieur. Yo. Troisièmement, monsieur yo gagne l'agent de renseignement, l'agent d'intelligence là qui c'est 25 millions goud chaque mois qui versé sur compte monsieur. Donc yo divisé l'agent ça
à 9 côté que yo chaque prend 2.7 millions de goud. Donc allez, monsieur yo comme avantage, yo gagne yon 4 prépayés, yon valeur qui entre 400 à 500 000 goud zami famille nou yo. L'autre avantage monsieur yo gagne, yo gagne carburant. Donc en carburant lui-même les 250 000 goud, yo ont 4 recharges pour faire appel téléphonique 20 000 goud. Et monsieur yo gagne résidence qui n'a 400 000 goud zami famille. Donc celle ça nous pas connait si que 400 000 goud ça yo bay monsieur li et chaque mois pour que yo paye yon l'autre résidence ça relé l'argent deuxième résidence là. Donc ça veut dire pendant 8 mois que conseil présidentiel ça li dans tête pays avec 26 millions de goud chaque mois que nèg yo en total touché li vinn coûter trésor public là pendant 8 mois sont pas yo passé là parce que pas oublier que monsieur yo là depuis et 25 avril et bien rivé 25 novembre donc monsieur yo ta coûté trésor 208 millions de goud zami famille nou yo 208 millions de goud ça veut dire que tout avantage ça yo si yo écarté monsieur yo y a toujours kembe yo en attendant que la justice lui même prend position ta dit que monsieur yo coupable ou bien monsieur yo innocent dans dossier mais l'agence ça yo y a toujours gain tout avantage ça zami nou yo et par contre donc si ça t'arrivé fait pour combien de temps la durée parce que les gars te promettent qu'il a fait élection en 2025 non en décembre 2025 c'est demain est-ce qu'il va le faire élection non pas qu'on est est-ce que transition ça lui-même l'a crasé ou pas eh bien nous gagnons opposition plurielle là qui vient avec une proposition que nous allons partager ensemble avec vous tout à l'heure comme ça mais on continue donc avec monsieur yo dans le conseil présidentiel là transition hein les gars trois sentiers sous table premièrement qui c'est sécurité et nous quand mettez nous d'accord sur ça sans sécurité pas qu'à gagner élection dans le pays hein, quel que soit sauf que vous avez fait le pas téléphone mais pas téléphone nous connaît tout mais sécurité hein qui a bloqué tout câble là nous te voyons que Digicel me signale que pas de cabaye insécurité a même touché Digicel donc c'est à dire que faut problème insécurité hein li résoudre dans pays donc tout le monde d'accord sur ça pendant que monsieur yo gagne 25 millions de goud nous voyons que ça fait plusieurs années que la police l'armée d'Haïti les mêmes a plein pour manque de matériel manque d'équipement pour qu'elle frappe bandi au fort donc regardez un avancement que monsieur yo fait là il aurait pris en contrôle petit rivière la Tibonite actuellement là tout bandi dans courir donc nous voyons que gagne Fritz Alphonse Jean qui c'est une dans conseil présidentiel qui bat bravo la contentement donc de avancement que la police fait donc c'est très bien mais l'agence a 25 millions de goud là pour ça que conseil présidentiel là même yo kembel yo mettel dans poche ou bientôt si yo écarté trois monsieur ça yo qui inculpé pour ça que va bailler monsieur trois l'agence va bailler monsieur toute somme l'agence a tout avantage ça yo que yo pas couper l'agence ça et puis investir pour renforcer police nationale donc on regarde par exemple au niveau du renseignement donc yon, au niveau de sécurité si pas gagne bon du renseignement quel que soit expert qui parle ensemble avec on a si que ou pas gagné bon genre de renseignement ou pas ka gagné sécurité publique là ou pas ka gérer ça ou pas gagné un bon sécurité renseignement li joue un rôle crucial dans sécurité publique là qui permet que ou anticiper ou faire prévention ou répondre efficace avec menace de façon potentielle et bien mais 8 la présenter 8 étapes mais 8 étapes yo premièrement c'est collection données yo donc en description yo rassembler toutes données pour faire qui vini dans différentes sources comme rapport policier témoignages surveillance électronique donc média yo à des réseaux sociaux yo donc un impact yo c'est fourni base pour comprendre menace potentielle yo et puis origine yo donc en deuxièmement donc c'est analyser données ça yo données tiers ça yo organiser yo examiner yo information yo collecter yo pour extraire yo de tendance yo donc un schéma que yo présenter donc c'est à dire que permet identifier groupe ou bien individu potentiel qui vraiment dangereux ainsi dans zone très sensible. Troisièmement, donc évaluer menace, c'est-à-dire classifier menace en fonction de gravité, probabilité, donc prioriser action et ressources sous risque qui plus critique yo. Donc en quatrièmement, information yo, donc c'est-à-dire communiquer information yo avec force de l'audio, agence gouvernementale yo avec public là assurer une réponse coordonnée rapide avec menace yo zanmi nou yo. Donc cinquièmement c'est planification stratégique yo côté que ou élaborer plan d'action basé sur renseignement que ou recueillir yo pour que ou faire prévention et bien ou atténuer risque ou réduire risque yo. Donc améliorer efficacité intervention yo prendre des mesures de prévention.
Donc sixièmement, donc en côté que ou appliquer stratégie élaborée comme arrestation tout monde qui est suspect, augmenter patrouille yo dans zone à risque, ou mettez ou faire une campagne de sensibilisation donc en bon côté donc en communauté hein, pour réduire opportunité dans action criminelle yo puis augmenter sécurité. Donc septièmement, donc c'est observer et puis évaluer donc en menace yo après ou mettez mesures ça yo en œuvre. Donc en garantie que plan d'action yo risque il aurait été efficace et puis ajusté et puis nouvelle situation zanmi famye nou yo. Huitièmement, donc c'est analyser résultat yo action que on prend pour améliorer donc action future de prévention, renforcer capacité adaptation de force de sécurité yo dans long terme. Et bien toute étape ça yo zanmi nou yo yo contribuer dans un bon renseignement donc qui jouer un rôle essentiel pour renforcer sécurité publique là donc dans pays pour neutraliser menaces yo, OK, pour concrétiser et pour réagir efficacement donc les que ou doué donc ou doit intervenir. Donc c'est 8 étapes qui gagne. Donc nous rappelons qui ça que dame Solino a dit grand monde qui pas même qu'on lit, il dit que l'état c'est prévenir, il est là pour faire prévention. Donc si que ouais l'état lui est confortable avec action que barbecue a fait yo, bien bandi a fait parce que nèg yo gagne même boss, l'état gagne même boss avec barbecue, si que il va faire qu'une action. Donc c'est ça que dame nan li même li te dit les amis et famille non yo. Et bien non parler de action bandi yo, et bien gen dossier qui tombe sur table en toujours tant que yon nan trois conseillers yo lui Jiragil côté que non monsieur ta impliqué dans yon assassinat de yon militant politique. Gen docteur Harrison Ernest qui partage l'autre information qui très sensible de dossier ça. Nous pral l'inviter au tande zami famille non yo. Transition table dial dans vendredi monsieur effectivement rentrer la caille il y a 3 heures combien et monsieur saute dans réunion dans Kinam Hotel bon place Saint-Pierre et monsieur rencontre un sénateur de la République. Je rencontre un sénateur de la République que me capable choisir parler de lui à soir là me dit de non le poser en attendant. Je rencontre un sénateur de la République. Sénateur de la République, ça va mener enquête où monsieur, c'est la semble rester, fait toute activité, surtout en prise pouvoir le prendre là. Sénateur parle à monsieur dans jeudi, et monsieur fait des déclarations qui ont des gens impressionnés, sénateur dit pas qu'à bonne pression, parce que c'est même équipe pouvoir, ou pas qu'à bonne pression. Et monsieur t'a quitté le téléphone sous speaker, et sénateur de la République l'a dit, monsieur, vini ouen nan kinam demain, pas qu'à bonne pression, vini ouen nan kinam demain, pas vini à moun, vini pour contre. Et monsieur, al nan kinam demain, j'al nan kinam demain, non, vendredi, et vendredi, il va parler hein? Et puis il recevoir monsieur vers midi et demi pour dans 2 heures yo. Et monsieur qui ça dit dans réunion ça va connait. Et les monsieur absout de yo pendant saute de yo pour là prendre moto route pour le passer pas l'île passer et puis là la prendre moto elle voit 2 nègres qui t'a suivi monsieur chinois en côté et les monsieur arrive après midi la caille il racontait ça et avant monsieur t'est déplacé pour là dans réunion t'est tendu le table bal rendez-vous de dire continue donc les monsieur arrive dans après midi vers 5 combien et puis monsieur mon coup de fil de monsieur me répondit dès qu'a pas répondu je joue ça parce que son nègre de courir d'elle plusieurs fois et puis me garder comme moi elle me dit bon garde ça le et monsieur dit ma donc on chauffe parlement puis lui fois ça me laver même et ça m'a douleur lui dit devant l'autre ami lui d'ailleurs l'autre ami prend téléphone non non mais monsieur après conclut avec diable de toute façon me pas connaître son gain même pas plusieurs fois le dit fois ça me laver même a bien dit monsieur saute dans réunion qui n'a place Saint-Pierre et puis c'est là même à soir ça avait 7h26 le me garder monsieur après élément quoi le me répond téléphone non monsieur dit al brancher boucanter la parole il va parler ou comprendre ça étonnement pile ça passe monsieur m'a bon menti guerrier ou attendez moi avec attention m'a bon menti m'a attendre boucanter la parole je choisis pas attendre parce que son jeu d'homme que me parler un petit peu émotionnel me parler lui on est qui dit lui laver même 23h après-midi et puis à soir pas parler ça le prend dit de qui ça et faut me donner à soir ça m'était dans la rue m'était dans pharmacie à l'achat médicament c'est dans route moi ouais sur téléphone moi liste gouvernement tombé l'aime garder moi c'est un bon nèg là là ça avec un bon nèg préval que me te connais nèg formé gouvernement et puis monsieur dit pas parler qu'est-ce pas comprendre et puis me dit monsieur OK m'a même pas le conseil parce que d'anti gens déçu de réaction pas comprendre ça qui a passé monsieur et ben maintenant tu as raison il était frustré qu'on rencontre avec un sénateur qui s'en promet, qui s'en dit, pas connaît, qui j'en fait chaper, li vini, pas connaît, qui frustration le bras l'exprimer, et monsieur te dit, sam kadou, monsieur dit, l'el dit, l'el parle, non, pour côté la parole là, l'el ouem pas répondre, li juste dit, li bral dit que, j'en gouvernement monte ya, bon série de moun yon met la dèk, pas gen place yo, m'dis, ben ok, m'attendo, même pas le temps de monsieur. Mardi, c'était dernière fois, mardi 19. C'était
dernière fois me vendredi 15. Non. Vendredi 15. Kounya n bral la mardi 19. Tan. C'était dernière fois me détendre voix ami. Mais sauf les me dit tout pendant bral nan 18 novembre non. Écoute, écoute. Même j'aime saute bonne information dans vendredi dans sénateur dans place Saint-Pierre. Ben écoute, dimanche ma boba yo. Dimanche 17. Dimanche 17. Non me connais oui, c'est avant me choisir parler me tout bon ba yo. Tout bon tout ba yo net. Tout bon tout ba yo net. Et pas pour son ba arriver, non va rien carrer. Et ça Dieu. Et dimanche 17. Comment on est pral mourir 18 novembre? Comment on est pral mourir 18 novembre et puis non vendredi? Il était gagné rendez-vous dans l'hôtel Kinam depuis dans jeudi au bal rendez-vous des venus pour compte lui. Comment on est pas mourir le 18 novembre et puis dans dimanche li nan téléphone avec un monde qui fait premier ministre qu'après le petit garçon. Comment on est fait premier ministre? Ou dit m'pas toi arrêter non mais on connaît ou créer le monde pas l'avoir et puis on parler avec le premier ministre dans dimanche. Comment on est pas mourir 18 novembre dans lundi et puis dans lundi on parler chef cabinet premier ministre là. Pour qu'on ait, est-ce qu'il y a des sons, etc., est-ce qu'il y a pas des sons. Comment on est cagé tout contact ça dans le pays, puis on va l'assassiner devant et à côté alliance, côté gain caméra devant l'église. Comment on est comme ça, gain pour mourir 18 novembre? On est qui prend le premier ministre, l'a descend nos avions, depuis nos avions, on parle avec nèg là dans téléphone et on parle avec 2-3 ans, 1000 tout, on fait une promesse tellement nèg là. Est-ce qu'on est aussi à l'aise? Qui a parlé le on est prêt à mourir, on est prêt à mourir, pas mourir non, assassiné et Henri Kéry. Comment mais, yon nèg? Attendez, sénateur ça. Attendez, on demi seconde, sénateur ça. On c'est sénateur l'Ouest, Sud, Grandens, secteur démocratique, c'est même yon. Donc comment on nèg prêt à l'assassiner vers 11h du matin, et puis 20 matin, vers 8-9h, par la chef cabinet premier ministre. À l'aise. Dans dimanche après-midi, on va parler avec premier ministre. Et comment dit que son aurait assassiné du Gérard Gilles le 3 octobre par la 20, pas j'aime bon mon petit fil, comme on connaît des années pour dire, et pas assassiné un frère, et pas assassiné un Dixon, au courant, ça passe, de mon petit coup de fil, leurs amis, bon, même si bon, c'est bon, une bafane. On garde un bagaille. Monsieur, yo enlevé monsieur dans la zone Delma 46 et a joigné dans l'hôpital la paix. Qui est-ce qui a le déposé là? Écoute, tout le monde dans la zone, yo, ouais, pas de faille de blanc. Monsieur, vous prenez monsieur, nous attrape Nigo pour le vin pour un bagaille. Oui, ma prenne ça. Son appel, yo, bye, monsieur, dit monsieur, vin pour un bagaille. Mais ça facile pour que DCPJ qui dernier appel dit monsieur de fait ça facile monsieur parler avec bons amis qui pour ta bagaille mais monsieur qu'on nèg gen 6 mois dans pays qui déporté de la République dominicaine monsieur t'est monté avec nèg la ouais nèg yo mais comme yo pas konn l'autre déporté ya, il tape marche à monsieur parce que il dit monsieur bon bail il va recevoir la balil pour bay madame ni pour lui pour occuper ti moun yo parce que l'a tout sorti déporté à lui-même t'a pral prendre dans même monsieur mais comme il tape marche à monsieur nèg yo pas konn déporté yo pas konn s'il ta avec le y a attaqué Dixon yo prend monsieur dans des ceintures nèg yo tiré déporté à jeter yo ba yo la britel et te gen de grand moun de l'autre moun kap vann ki wè nèg yo bon nèg retou roulant pas de faille de blanc et puis deux nèg azam gen nèg gade tizano gen kazore c'est nèg ki nan la pou di et puis kounyan monsieur bataille monsieur gen cran monsieur bataille monsieur gen be gros am long de nèg yo il presque désarmé nèg yo et puis l'autre nèg la tire monsieur dans genou monsieur tombé li relevé encore bataille yo prend monsieur la sain yo la gueule de machine là il vole la tête yo prend encore et puis nèg yo si ma écoute zam dans zone là et puis ya la tout ça passait tout le monde révolté gen caméra dans zone kounya qui côté a joine monsieur comment même pas faire de ça retrouver là dans la couloir devant l'hôpital la paix à l'aise 23h après-midi comment même pas faire de ça comme si les bandits tout y mené comme ça fait à l'aise il y a l'hôpital il y a l'hôpital comment même pas faire de ça retrouver devant l'hôpital la paix comment même nex dans l'hôpital la paix comment l'hôpital la paix fait d'accord recevoir sous qui base ceux qui basent d'accord recevoir le mec qui est à l'aise et bien l'hôpital là peut recevoir le mogla recevoir comment 30 minutes après bon vérifier Henri Guerrier vérifier bon juge dans le tribunal civil d'Elma Crié de Saint-Ville oui M'Kato vérifier ça vérifier ça comment juge de Saint-Ville fait un certain juge de Saint-Ville rédiger constat et puis serrer constat comment rédiger babay famille comment faire déplacer vinan dans l'hôpital sur l'autre qui est. En général, c'est policiers qui fait demander. Donc ça veut dire que même les pas de faire des saillots, il y a possibilité réquisitionner juge de paix, même moment, et puis venir faire constant dans l'hôpital là. Ça veut dire que ça n'est pas marché tout le monde dans le pays. Ça veut dire que les policiers, les juges, les tout à fait. Et il faut moins d'eau.
si nous pas organiser pour nous sauver vie des monde qui proche et Dixon Ores il y a l'autre qui t'a connu parce que il y a un coup de fil rapide qui fait pour venir prendre pour proche Dixon Ores en dedans. Le gon nèg en maillot vert, son inspecteur de police, avec plusieurs policiers qui débarquaient. Et comme il y a un bagage qui vous fait, qui vous fait mon nom, il y a un temps retiré l'école, il y a un temps prendre mon nom dans la machine, retirer, et ça sauve la ville. Ça veut dire pas qu'il y a une chouette à terre là. C'est la valasse qui s'ouvre, c'est qui prévale avec la valasse qui a frappé là. L'aile secteur démocratique, ça a plus mauvais de vous, André Michel, de vous, on a dit, bah là, c'est mauvais. Ça veut dire Harrison. Harrison, ça veut dire que est-ce que moi m'ai dit la nature merci c'est pour quand la parole nèg yo décide de camper sous méga ça veut dire que yo te ka fait plus ou trop intelligent parce que écoute n'ta fini à ça écoute même j'aime dit faire pour Magali pour faire comprendre Magali pas jamais expliqué pour il dit tintin ça pas venir faire encore et parce que non gon bagaille Magali pas dit Ton, même je me dis, clarifier ça pour montrer que c'est parce que Bagala est concerné au mouvement anti-coni. Eh bien, même Jean, écoute, frère, sur ce dit la fondamentale, fermez vous quand il la parole là, c'est un suivi. Faut pas prendre le sein. Et moi-même tout, faut protéger tout. Faut pas prendre le sein. Écoute, souvent, c'est pas un rapport entre assassinat et fermez vous quand il la parole là. Et des menaces sous mes gâteaux ou à jouer. Moun qui fait mes boucan de la parole, yo, c'est yo qui n'assassina. Gardez rapport. Assassinat fait, moun y assassina. Li te vin nan boucan de la parole. Nan boucan de la parole. Et malgré le pas jeune parole formellement, li parle quand même, li passe par mes auditeurs. Moun qui a fait émission, pas qu'à dire, ni pas attendre, li parle quand même. Li parle dans l'émission. Et puis, nan émission en tout, vin gagne, Jimmy Cherizek vin dénoncer. Ça. Donc, émission ça doit fermer. Donc, sous besoin, ouais, véracité. Évidence question, hein? Vraisemblance question. Hein? Vous comprenez? Élément qui n'a assassiné, c'est eux qui n'a fait boucanté la parole à question sur mes gars. Eh, mais ça veut dire que. L'élément commun, c'est que vous avez fait. Vous avez fait le souyuni là, puisque vous avez fait l'autre radio, n'importe où presque accepté là. Parce que ça dit à la. On annonce une deuxième série émission ça c'est pour semaine prochaine encore Harrison automatiquement on apprend deuxième partie émission ça c'est pour la semaine prochaine puisque on a fait deux séries ça c'est une deuxième série hein, c'est pour semaine prochaine parce que cerise sur le gâteau Harrison Boko Bailey c'est bral quand même semaine prochaine et pas semaine prochaine bon Harrison invite tête li forme d'une c'est Harrison qui invite tête li l'aime d'inviter tête li a donné ça choisi joul moi invité mais c'est lui qui choisi joul Harrison a choisi on joue dans mitan semaine là comme par connait c'est vendredi Harrison, ça va de soi, ça va dépendre de temps qu'on gagne, mais on deuxième partie, bon, c'est fun gagne dans émission ça, nous pas arrêter trop. Harrison, merci tout simplement, mais m'a dit tout que, écoutez, dossier ça, lit de loin plus important que dossier BNC1. Et criminel, pas qu'à un titre conseiller président. Et CPT ça, pas de place li là encore, c'est fini, à moins que pas de monde n'a pas. C'était Dr. Harrison Ernest qui a porté plusieurs informations qui vraiment sensibles là, qui sont partagées ensemble avec nous. Donc, de l'amour ça, que militant politique là, que Yota longe l'ouet yo, sous yon nan conseiller présidentiel yo, lui Gérard Gilles, qui gagne même non tout, qui nan scandale BNC. Pour le faire autant de, donc, à qui ça que monsieur opposition pluriel yo même yo proposé sous table là, parce que si conseil là, les mêmes pata arrivé, écarté trois monsieur yo, donc, conseil a perdu toute crédibilité li, et le conseil que conseil là, les mêmes, donc, a pas arrivé écrasé, mais qui route que n'a pas. Eh bien, gagne opposition plurielle qui dit mais qui route que pour nous prendre que nous allons faire autant de donc quand t'as l'air comme ça mais faut que nous disions que si conseil là lui-même arrivé écrasé donc Haïti lui-même a perdu temps donc en temps nous sommes ouais que nous serions calcul pour quantité l'argent que nous dépensons dans neuf monsieur Sayo donc nous t'as dit on a dépensé nous t'as gaspillé temps nous t'as gaspillé l'argent pendant que le pays a fait bac donc d'après France 24 Haïti c'est 158e pays qui est plus pauvre sur 198 40% de la population a vécu à moins $2.15. Donc depuis 2023, gon inflation plus 44% zanmi fami nou yo. Que bagay la li vraiment red pendant que nous gagnons nèg ki la ki di ou ka pran. Yo ka pran décision pour nous. Donc ça dit pou al penser pour 20 ans, pour 50 ans, pour kembe pays ça et pour former pays an. Même gens que zan set nou yo te bataille pour ba nou pays ça pour mete pour te ba nou indépendance et puis pour nous même dégagement ni. Mais malheureusement nous wè ki ça que nous fait le tourner. Donc nous grand pile haïtien qui obligé courir quitter le l'autre côté, mais le côté que n'allé yo, nous wè que eux même gens que yo chita ou fait pays yo.
Eh bien, opposition plurielle, hein, li propose, li fait proposition de cour de cassation. N'a pas invité autant d'elle, c'est que vous commentez autour, pas oublier la gueule en bas vidéo. Hein. Sans pourquoi abonner, nous invitez à faire ça, qu'on y a apaisé le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo pour qu'elle fasse partie de famille à Noël Akay. En suivant avec. Par une insécurité généralisée, côté toute fréno actionnée ou pas comme qui s'est brûlé, tout côté c'est carnage et dernier carnage qui fait en Haïti, là, nous connaissons. C'est ça qui passe dans le Jérémie. Que ensemble, entités progressistes, levez voix ensemble pour dénoncer et faire solidarité avec Koussa, avec famille Mounsa. Okay. Et de l'autre côté, nous réunis dans circonstances qui marquaient la journée internationale des droits de l'homme. Il y a une démarche qui est consacrée non seulement par les Nations Unies, dont Haïti c'est membre fondateur, mais également qui consacré dans la constitution haïtienne de 1987 là et qui a l'État responsabilité pour faciliter droits citoyens pas vieux. Je n'ai pas parlé de droits, je n'ai pas parlé de droits humains, nous parlons de différentes catégories de droits humains. Et une première catégorie de droits humains qui intéresse nous, c'est ça, les libre circulation ou bien possibilité que citoyen gagne droit pour choisir autorité pour diriger. Là, nous avons 8 à 9 ans depuis par jour, nous avons ça. Sans beaucoup parler de deuxième à troisième catégorie de droits humains, côté que citoyen gagne droit, libre droit pour circuler, libre droit pour penser, pour manger, pour le ton côté et prendre soin de famille. Ça fait quelque temps, l'État qui départit ça dans la Constitution. Et c'est dans l'optique ça, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, ensemble, force progressiste, tu crois que la meilleure façon pour réaliser une transition juste, plausible, rationnelle et pragmatique, c'est, quelles que soient les tangentes, recourir vers la Cour de cassation comme seule possibilité en matière de jurisprudentielle, en matière de transition politique. Alors, l'histoire de la transition politique en Haïti. Et c'est ça que l'acteur Force Sao t'a proposé il y a de cela 41 ans. À quelle force fait noir qui a comploté avec des secteurs dans la communauté internationale là, pas de vle tant de paroles ça, parce que vous voulez mener Haïti dans la virée. Jeudi, mardi 10 décembre 2024, là, non seulement nous conscients de gravité situation, hein, non seulement nous conscients que nous avons commémoré ou célébré la Journée internationale des droits humains, mais ça nous a cherché, hein, qui c'est cohésion dans la toute force vive nation hein, pour parler une seule parole, c'est-à-dire relais en moins pour demander à ce que la transition commence et de fait pour commencer, j'en l'habitude fait. À savoir le recours vers la Cour de cassation comme seule possibilité qui va permettre que nous mettions fin à ça. Donc je dis, la société doit prendre acte que toute force vive nation, toute force progressiste réunie dans une date symbolique qui c'est 10 décembre et qui d'accord ensemble nous allons mener une bataille, que ce soit à l'échelle nationale et internationale, pour nous commencer la transition, hein, genre transition commencée, qu'on a habitué à commencer. Et nous-mêmes, nous, by tête, nous le devoir. Même genre avec tout l'autre bout qui là, qui prend engagement devant la presse et devant la société, hein, nous allons prendre bateau pèlerin nous pour nous rencontrer tout le reste qui poko vinio, parce que tout le monde d'accord, ça a fait la barbe. Tout le monde d'accord, pas qu'il y ait 9 présidents dans ce pays. Tout le monde d'accord, que c'est une plus grosse déception dans l'histoire du pays. Mais la seule chose, tout le monde n'est pas d'accord sur qui joue n'a procédé à l'installation d'un juge de la Cour de cassation au palais. Donc, je dis à ces responsabilités, ça nous vient de prendre devant la presse pour nous venir dire peuple haïtien. Tout le monde qui a murmuré la caillou derrière le téléphone. Le peuple s'apprécie d'exister. Nous venons nous renouveler. Position antérieure que nous avons gagné depuis l'heure nous avons initié des marches vers la Cour de cassation à travers le Congrès national Guanamen qui regroupe dans la structure politique sociale. Nous avons des marches consensuelles. Consensus là pas suffit. Comme a dit ce là, nous élargissons à d'autres groupes. Nous estimons aujourd'hui seule en unité dans la diversité à sauver nous dans la situation générale. C'est ça ma fait là aujourd'hui. C'est ça mon entrée de faire pour une prise en charge de l'État. Pour des ordres planifiés et organisés pour le camper.
désordre organisé, planifié par des apatrides, par des conseils supportés par une certaine communauté internationale. On a assumé responsabilité nous. Et pour corriger pareil ça, j'ai un autre camarade qui nous dit là, nous voulons renouveler position nous, nous pour aller vers la cour de cassation. Cour de cassation. Qui, chaque fois que le pays est en difficulté, force progressiste réunie, il fait appel à la cour de cassation à titre d'exemple. Mon ami et frère, camarade, Dr. Fanslage, il fait référence à vous. En 1990, on était recouru à la cour de cassation, on était choisi, Madame Erta Pascal Trouillot. Et comme première femme, le président de la République, il a organisé une meilleure élection démocratique. Et au cours de ces élections, votre serviteur Serge Jean-Louis a été élu député de la première circonscription des marchands des Salines sur la bannière du Front National pour le changement et la démocratie, regroupé dans cette période difficile dans cette structure politique progressiste. C'est ça que je tiens. Deuxième exemple, cité et nous réitérer notre appel dans les oreilles de tout le monde, qui est blanc, qui est haïtien. 2004, avec le professeur Alexandre Boniface, grand professeur de l'université, un citoyen digne de son nom, que monsieur, avec difficulté, assume responsabilité, il organise une élection libre et démocratique. Les élus de ces élections n'ont pas été contestés. Bravo! Mes amis, qui j'en pour nous avoir choisi pas aller dans la cassation? Dans le monde, au contraire, vous choisissez 9 mounes, vous mettez comme président de la République après 8 mois. Je vous dis là, tous les indicateurs sont au rouge. Comment l'État disloqué totalement. Et cette période-là, on ne peut pas la dire, il est plongé directement dans la corruption. Amen. Il ne va pas aider nous à résoudre la crise là. Et ce conseil présidentiel-là, en tant que tel, vit une crise. 3 mounes. Inculpé, inculpé, il défend la justice. Il va demander pour prendre les grandes décisions d'État qui concernent nous-mêmes. Il ne va pas d'abord. Ça, c'est une belle blague. Non, oui, j'étais question ça. Et de revers de et on a continué la bataille pour nous retirer le pays dans des autres. Je vois les camarades, je dis là, pas les guider trop parce que quand il y a une promotion, il faut nous dire, nous prenons la tombée des rénages. Bon, institution. L'on choisit lui, ou senti, comme c'est langage femme, pas utiliser un minimum d'égalité. Moi, je dis minimum parce que nous connaissons tout. Qu'un pile petit pays qui participait dans l'autre route, dans l'autre voie, et qui a continué d'étudier le pays. Mais j'ai un paquet de fonds, j'ai des gens, un paquet de vidéos, j'ai déjà parlé. Moi-même, moi conscient, et toute équipe, ça a conscient. Le monde fait tous ces haïtiens pour une responsabilité. Pour une responsabilité pour permettre à ce que Péoula avance. Pas responsabilité personnelle d'y veiller. Même Jean-Lon qui fait nous la cour, vous avez une responsabilité pour la cour. Vous faites un déroulé en pitation, vous avez une responsabilité pour pitation ça, rété et la chimie. Lorsque deux pébois, vous faites deux pébois pour nous dégager pour faire une dessin. Et puis si vous ne pas appliquer ça, payant à détruit. Mesdames, Messieurs, et route là, c'est haïtien. Haïti, haïtien. Et ça, nous, nous fait là. Nous perdus, Baptiste, pays, nous, même perdus, on a cherché Baptiste. Et pour nous joindre, son minimum, solidarité. Entente, qui, t'es pas qui plus facile longtemps pour haïtien entendre. Je dis, ah, qui est plus difficile. Pays a pas mal de grandes choses. On dit entente pour nous relancer, pays, dans l'égalité.